Ils étaient plus de 1000 lycéens, mardi 26 avril, à participer au rendez-vous sportif des jeunes Ligériens à La Roche-sur-Yon, en Vendée. C'était cette année la troisième édition de ce rassemblement organisé par la région des Pays de la Loire et le rectorat de l'Académie de Nantes. L'objectif est toujours le même, inviter les jeunes à pratiquer une activité physique régulière et à préserver leur santé. Les lycéens ont ainsi pu choisir parmi 25 activités. Et en parallèle de la pratique sportive, des ateliers de prévention santé étaient proposés. L'occasion rêvée pour la Mutualité française Pays de la Loire de sensibiliser les jeunes à deux thématiques, la nutrition et le sommeil. Pour le premier atelier, celui où l'on parle du bien manger, les participants ont pu expérimenter le petit resto santé, une sorte de self virtuel grandeur nature. Madame, dans la consigne, est-ce que c'est marqué enrichi en oméga 3 ? Les jeunes sportifs ont ensuite échangé avec une diététicienne sur leurs habitudes alimentaires et sont repartis avec quelques conseils pratiques. Pendant l'effort, ce qu'on peut leur conseiller surtout, c'est bien s'hydrater. Si l'activité physique est assez longue, on va pouvoir leur proposer d'emmener des fruits secs, par exemple. C'est pour ça que sur la table, nous leur avons proposé une petite dégustation de fruits secs ou de fruits oléagineux qui sont très riches en sucres simples, en vitamines et en minéraux. Deuxième atelier proposé, celui consacré au sommeil. Les jeunes ont pu y pratiquer un exercice de respiration appelé cohérence cardiaque pour apprendre à se détendre et à gérer le stress. Une piste parmi d'autres pour mieux se reposer et profiter pleinement de leur activité physique. Si possible, faire cette activité physique plus tôt le matin. Parce que le soir, on va avoir une montée en température du corps qui va contrecarrer la pente naturelle de descente en température qui, elle, nous permet d'aller vers l'endormissement. Donc, il faut prendre un moyen pour limiter cette montée en température, par exemple en prenant une douche fraîche avant d'aller se coucher. Des conseils qui ont, semble-t-il, été bien entendus par les jeunes. Près de 140 lycéens sont venus rencontrer les professionnels de la Mutualité française et les élus mutualistes de la MGEN sur le stand Prévention Santé à l'occasion de cette grande fête du sport.